corner, half a mile from here. See them long trains run and watch them disappear. Without love, where would you be now? Without love. Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galago Music. Pour aujourd'hui, un morceau des Doobies Brothers, Long Train. Et j'ai une nouvelle guitare. Oui, mais je vous l'avais pas dit. Une Fender Stratocaster version 50e anniversaire. Et une petite tuerie qui m'a été en plus offerte par un mécène très enthousiaste de mon travail et qui voulait me remercier à sa façon. Donc au début, je voulais pas. Mais enfin, c'était un peu compliqué de refuser un aussi beau cadeau. Donc il voulait pas que je le cite. Je veux dire son prénom. Merci Patrick C. Voilà. Parce que je pense que ça se fait quand même. Merci pour moi. Merci pour la communauté. Maintenant, je vais pouvoir montrer des morceaux vraiment stylés. Ça faisait très très longtemps hein, que je voulais faire ce genre de choses. Donc maintenant je vais pouvoir m'y atteler et aussi retravailler pour moi des morceaux un peu costauds. Donc aujourd'hui Long Train Running, un morceau des Doobies Brothers qui est sorti en 1973 sur l'album The Captain and Me. Voilà, donc c'est un morceau de rock funk. Donc qui dit funk dit beaucoup de souplesse à la main droite. J'avais fait deux tutos sur le funk si vous voulez peut-être commencer par ça. Donc je vous invite à aller les regarder, connaître les petites astuces rythmiques et voir un petit peu comment ça se passe. Sinon ça va être un petit peu raide hein, de commencer directement par ce morceau. Voilà, ah puis on a dépassé les 100 000 abonnés aussi. Ah ouais, non mais j'ai trop de trucs là à raconter. Je vais faire une vidéo à part hein, justement pour parler de ces 100 000 abonnés, remercier tout le monde et tout ça. Et pour l'instant j'essaie de pas durer 3 plombes sur l'intro. Je me rapproche et je vous montre comment on joue. C'est un super tube sur ma super guitare. Donc sachez que ce morceau se joue aussi à l'acoustique, hein. Si vous avez vu le film Les Jours Heureux, je pense que ça va vous parler, voilà. Donc de toute façon, dans le morceau original, il y a aussi de l'acoustique, il me semble que le gars est accordé différemment, donc j'ai fait un petit arrangement de la mélodie acoustique qu'on entend, je vous montrerai ça à la fin, voilà. Donc, vous commencez, vous barrez en 10e case avec l'index, hein, parce que barrer avec le petit doigt, ça ne servirait à rien. 10e case index, première attaque c'est comme ça, vous bloquez le gros... Ah, je perds mon médiator. C'est l'émotion. Donc, vous vous placez en 10e case. Je disais donc, le bout de l'index ne va pas appuyer, lui, sur le gros mi, parce que sinon, ça va faire une basse qu'on veut pas. L'accord en question, c'est un sol quelque chose. Donc, vous tapez ce sol quelque chose, comme ça. Et dès qu'il est joué, avec le majeur et l'annulaire, vous allez appuyer en hammer-on, comme ça, sur la 11e case de la corde de Si et sur la 12e case de la corde de Ré, afin d'avoir un accord de Sol mineur 7. Donc Sol quelque chose, et Fla, il devient mineur 7. Donc si vous avez ça, vous avez déjà compris un petit bout du morceau. Concernant les réglages de la guitare, je me suis mis en son clair sur l'ampli, et sur la guitare, je suis en micro chevalet, très aigu. Donc, funky quoi. Ok. Alors, je vous invite à aller télécharger la partoche, comme ça vous pourrez suivre en même temps que j'explique. Voilà. Alors, intro du morceau. Donc, sachez qu'en funk, à la main droite, il faut être ultra souple, vraiment, de manière à pouvoir avoir une battue et s'y retrouver, parce qu'il va falloir que ce soit assez carré. Donc, on va faire ça pour l'intro. Première mesure. Ah, j'ai fait quoi? Alors, à la main droite, surtout. Pas. Pendant que je fais le hammer-on, la main droite, elle remonte. C'est la deuxième double de la mesure. Vous redescendez sans gratter à la main droite, et on va remonter, faire entendre, et redescendre, et faire entendre. Donc, bas, haut, haut, bas. Ok, encore. Bas, haut, haut, bas. Encore. Bas, haut. Donc là, même si je remonte à la main, je gratte pas les cordes. Hein. Faut vraiment qu'on entende le hammer-on. D'accord. Bas, haut, bas. Bas, haut, haut. Voilà, et dès que ce bas-là est gratté, vous perdez la pression des doigts, vous piquez l'accord de manière à avoir une attaque très sèche. Bas, haut, haut, bas. Dès que vous avez fait ça, la main droite remonte. On va conserver les doigts qui n'enfoncent pas les cordes parce qu'on veut des dead notes ensuite qui vont faire 1, 2, 3, 4. D'accord ? 4 doubles mutés. Bas, haut, haut, bas. 1, 2, 3, 4. Ok ? Bas, haut. Le fait de garder la main droite qui fait des allers-retours tout le temps permet vraiment de vous placer. Hein. Donc il y en a qui arrivent à bien entendre le riff et donc à garder la main en bas. Moi j'aime autant vraiment que vous bossiez pour la souplesse du poignet et tout ça sans vous arrêter. Alors je radote, je sais, mais il me semble que c'est important. Donc bas, haut, haut, bas, 1, 2, 3, 4. Et pour terminer la mesure, bas, et encore, donc bas, je remonte, rebas, et la remontée. Sans
le majeur et l'annulaire. Et là, vous avez pigé une bonne partie du morceau. Bas, haut, haut, bas. Là, vraiment, je gratte hein, les trois derniers coups. Bas, bas, haut. Je refais depuis les dead notes. 1, 2, 3, 4. Bas, bas, haut. Je vous refais toute la première mesure. Bas, haut, haut, bas. Haut, bas, haut, bas. Bas, haut. Ok. Bas, haut, haut, bas. Bas, haut, bas, haut, bas. Bas, haut. Et pour terminer la mesure, dès que vous avez fait ce haut en 10-10-10, là, la main droite redescend. Remonte et on a fini là vraiment la mesure. Bas, haut, haut, bas. 1, 2, 3, 4. Bas, bas, haut. 4. Bam. Et après, vous refaites ça 4 fois de suite et vous savez faire l'intro. Bas, haut, haut, bas. 1, 2, 3, 4. Bas, bas, haut. 4. Bas, haut, haut, bas. 3, 4. Plus vous allez aller vite, là je fais des grands mouvements à la main droite pour bien vous montrer. On ne ferait pas des grands mouvements comme ça quand on va vite, parce que justement on essaye d'optimiser. Le mouvement va se réduire au grattage des 6 cordes de manière à optimiser le geste, à rester souple, sans force. Donc au début vous le bossez bien comme ça comme je vous ai montré. 3. Et vous essayez de réduire le mouvement. L'amplitude du grattage. C'est hyper stylé, hein, faut bien l'avouer. Voilà, donc vous le bossez hyper lentement, d'accord, au départ, bah, comme toujours en fait. Et au fur et à mesure, vous arriverez vraiment à choper l'astuce. Mais donc, je vous réinvite à consulter les deux cours là-haut que j'avais fait, de manière à vous assouplir le poignet si jamais le style funk vous est encore un peu étranger. Voilà, donc on a 4 mesures d'intro comme ça. Après, le chant commence et nous attaquons la partie A. La partie A qui est quasiment pareille à une attaque près. Ah, j'ai essayé d'être précis hein, dans mon relevé autant que je pouvais. Alors, première mesure de la partie A, déjà à bonne vitesse histoire de vous allécher un petit peu. Mais vous allez me dire, ça ressemble beaucoup. Oui, effectivement, bien vu. En fait, ce qui va changer, c'est qu'au départ, bas, haut, haut, la directe, on va arrêter l'accord sur la remontée. Tout à l'heure, on le laissait enfoncer et on piquait l'accord d'après. Vous voyez, dans la mesure 1 de l'intro, on faisait bas, haut, haut, stop. Ok. Dans la partie A, c'est bas, haut, haut. Et c'est là qu'on arrête. Et du coup, on va avoir plus de dead note derrière. On va avoir exactement 6 mouvements à faire. Donc, partie A, première mesure. Bas, haut, pic, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la fin, c'est pareil. Bas, bas, haut, 3, 4. Je vous fais. Bas, haut, haut. Bas, haut, haut. Bas, bas, haut. Bas, haut, haut. Bas, bas, haut. Ok, je vous fais la mesure 1 de l'intro. Et la mesure 1 de la partie A. Vous pourriez faire toujours la même chose, hein, toujours la mesure 1 de l'intro, par exemple, ça marcherait très bien sur les couplets. Mais bon, voilà. Donc si vous voulez ressembler vraiment à l'original, ça donnerait ça. Donc une mesure d'intro, une mesure de partie A. Partie A. Ça fait pas beaucoup de différence, mais c'est ça justement qui fait le charme des trucs. Donc, la partie A, vous avez 3 fois cette mesure-là que je viens de faire. Stop. Deuxième mesure, la partie A. Bas, bas, haut, et. Donc, je vais vous dire le mot pic au moment où je pique l'accord. Un accord piqué, un accord di staccato en italien, c'est quand on tient pas donc le son. Hein. On attaque et on perd la pression des doigts. Alors, intro, mesure 1, je vous la fais 2 fois de suite. Partie A, mesure 1, bas, haut, pic. Hey. Bas, haut, pic. Voilà, dans l'intro, donc on pique vers le bas. J'insiste beaucoup, je trouve, mais bon, bref. Dans l'intro, on pique vers le bas et dans la partie A, on pique en retour. Voilà, donc partie A, on a 3 fois cette mesure-là. Pic. Deuxième, bas, haut, pic. Troisième mesure, bas, haut.
Et là, la quatrième mesure, ça va changer. Vous allez remettre l'emplacement du sol mineur 7, mais on va rajouter une septième surnuméraire en 13e case du petit mi. Et on va faire cette rythmique-là. Donc là, on laisse tout enfoncé. Il n'y a pas de j'enlève la pression des doigts. On va faire bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas. Bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas. Tam 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 tam. Stylé. Je vous fais donc une mesure de A, enfin la troisième mesure du A, puis cette mesure de terminaison. A, O, pic. A, A. Ok, je vous fais toute la partie A. Troisième mesure, bas, haut, pic. Quatrième mesure, bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas. Ok, donc ensuite on retrouve exactement le même schéma quand le chant commence. Donc on a ces quatre mesures, sauf que la quatrième mesure, on refait pas le... Vous refaites uniquement... Donc je vous fais toute la partie A, à savoir donc 8 mesures d'affilée. Let's go, 3, 4... Quatrième, le chant commence. Down around the corner, half a mile from here, soothing monks swim running and watching disappear. C'est pas facile de chanter et de jouer en même temps, je vous le dis. La partie B, alors on change en fin d'accord. On va se diriger vers un Do mineur 7. Donc vous barrez tout ce coup-là avec l'index sur la 8e case.